dans la chapelle du château de Villemolin. Bel endroit. On ne verra pas dans le film. Non. Ben non, je crois pas. Enfin, non. De l'extérieur, et encore. Et encore. C'est une journée très calme, c'est ça? Très calme. Ça permet de faire le poids. Toi, tu t'amuses dans le film? Oui, oui, oui. Je suis beaucoup à l'écoute, souvent, des choses. Mm. Mais je m'amuse à écouter. Mais... Ah oui, et alors, tu t'écoutes quoi? J'ai quoi? T'écoutes quoi? Ben, ce que disent les autres, en général, surtout, quoi. C'est un spectateur, ça éclaire beaucoup. Mm. T'es un photographe aussi, par son métier, il est toujours un peu derrière les gens, ou derrière son objectif. Mais... non, le seul truc, il parle au départ de l'histoire, il émet une petite hypothèse, enfin même pas une hypothèse, mais une petite remarque au départ, puis après ça va. Rouletabille derrière lui, il fait une remarque, et après, il dit plus rien. Il fait juste ce qu'on lui demande gentiment. C'est tout. Après, il se mouille plus tellement. Ouais. Mais ça me va assez bien comme la situation. Ouais. Ouais. Ça aurait pu devenir un personnage un petit peu couillon derrière, un peu. La mouche du coche, justement, qui est là. Et Bruno, il est un peu... Enfin, dans le roman, ça l'est pas vraiment, mais il faut dire que dans le roman, ils n'ont pas du tout nos physiques ni nos âges. Hein. Donc, il a un petit peu changé. Mais, oui, c'est ça, il n'est pas trop couillon, quoi. Il est un peu... En retrait. Le fait devant les roches, ça construit, non, un peu? Mais moi, j'aime bien, ouais. Ouais. Ça construit, puis ça crédibilise. Tu vois le... à quoi tu ressembles, quoi. Donc, peut-être que certaines personnes, ça peut bloquer parce qu'ils ne s'attendaient pas à ça. Moi, je suis plutôt surpris, pas en bien, mais en tout cas, positivement. Donc, ça ne me bloque pas. Puis voir comment le costume va, comment ça, à quoi ça ressemble, si... Enfin, c'est... Ah, mais c'est sûr. Non, c'est un peu comme si les choses venaient un petit peu d'elles-mêmes, quoi. Et avec Denis, vous n'avez pas prévu des trucs de ce côté-là particulièrement non plus? Non, on a fait des lectures avec Denis. Oui. Mais Non, mais comme ça colle directement bien, on a fait des choses, on a rajouté des choses dans les scènes, mais ce n'était pas un travail en fond. Parce qu'on a l'impression que le fond est déjà là, quoi, que la base est déjà là. Oui, c'est sûr. Ouais. Mais Bruno a un peu peur par rapport à Dieu, ça me voit qu'on refasse un peu le même couple. Puis a priori, ça n'a pas l'air d'être tout à fait la même chose. Bon, le fait de te retrouver avec Denis, Bruno, enfin, je sais bien que c'est des gens proches, quand même, ouais. Tout ça. Puis plein d'autres acteurs que tu connais super bien, enfin, vous connaissez bien. Est-ce que ça joue? Est-ce que c'est... Ah ouais. Bah, c'est l'idéal, c'est vraiment... Ouais. C'est... Non, puis que des gens que tu apprécies pour diverses choses te font appel à toi, c'est... Et donc en plus, après, quand tu vois que ces gens-là sont quand même des gens dans la vie, formidables, Denis et Bruno, et voilà, quoi. Donc c'est... Et c'est des... Ouais, c'est des moments rares, quoi. Enfin, rarement, puisqu'on a quand même 40 jours de tournage, mais... ça paraît rare, quand même, même si c'est long. Et quelques films derrière aussi, déjà. Avec Bruno, oui. Non, c'est vrai que moi c'est un peu un rêve. Enfin, je me souviens maintenant de la rencontre que j'avais eue avec Bruno à Versailles pour Versailles Rive Gauche, et il m'avait proposé son scénario. C'était un petit scénario très très léger comme ça, qui paraissait presque un petit court métrage sans conséquences, et j'aurais pu dire non, parce que bon, il y avait 4 jours, je crois, on fait chier, machin, il disait, bon, c'était l'été, tout ça. Et quand je vois ce que j'aurais pu rater, ça me met des frissons dans le dos, quoi. Tu te dis, mais peut-être qu'on est passé dans la vie à côté des choses comme ça. Non, mais là, tu vois, c'est... Et je vois ce que... En tout cas, la plus grosse surprise, c'était après, vers Saint-Rive-Gauche, et quand il m'a proposé de se revoir, et que j'ai vu ce que c'était, ça m'a touché à un point, c'était...
Même là, pour le Louis. Enfin, je veux dire, à chaque fois, Bruno me propose des trucs. Sauf dans L'hiver tolérant. J'étais un peu déçu parce que mais, je sais pas, ça me. Ouais, ça me touche beaucoup. T'es contre. C'est demi-heure. Oui, non, mais non, t'inquiète pas, j'ai pas de. Non, mais en fait, quand on discute, il y a des choses qui arrivent. Il y a des silences aussi, qui en disent long. Que dire ? Non, non, mais c'est vrai que moi, en plus, pour plein de raisons personnelles, ce projet, c'était un truc très important pour moi. Et c'est marrant parce que c'est un peu comme. C'est ça aussi qui est délicat, c'est d'arriver au moment où tu fais la chose pour laquelle tu. Tu réalises, toujours je parle de rêve, mais c'est pas. Tu réalises un projet qui tenait à cœur, vraiment. Et de le faire, d'un coup, c'est. T'atteins le but que tu t'étais fixé depuis, non pas 2 ans, mais en tout cas, pour moi, c'était un phare dans la nuit. Non, mais tu vois, c'était une espèce de bouée, de. Voilà. Enfin, pas de bouée, non. Non, je veux dire de. Oui, un phare, une lampe, une lumière dans la nuit, non pas dans la nuit, dans le soir, dans le matin. Enfin, quelque chose de. Une sirène dans le loin, enfin, quelque chose qui t'appelle, qui te. Et une fois que tu es là, donc tu l'as fait, tu es dedans. Alors qu'après, tu dis qu'est-ce qui va se passer. Mais bon, après, souvent, maintenant, on a des idées de ce qui va se passer après, ce qui est quand même bien aussi. Mais. Donc voilà, c'est pour ça que c'est. C'est un tournage très. Très. Pas émotionnel, mais très. Tu m'aideras pas, très. Touchant. Je sais pas, touchant, c'est pas le mot, mais c'est très. Ouais, moi ça me. Ouais. Parce que Bruno aussi est quelqu'un qui me touche beaucoup. Pas physiquement, hein, il me tripote un peu de temps en temps, mais c'est. Mais il me. Bon, mais j'arrête alors. Merci, son Noël. Tu plaisantes. Merci, vraiment. Bon, je vais aller vite parce que j'ai beaucoup de photos d'eux. Ça, c'est Jean-Noël qui fait le nain avec sa partia. C'est très drôle, Jean-Noël. Ça, c'est Denis et Jean-Noël qui courent en contre-jour vers le château. C'est pareil, c'est plutôt beau.